Acteur qui a failli appeler au boycott s'il n'y avait pas de poncho. C'est vrai? Alors moi, c'était, je sais plus comment il s'appelle, mais je sais que je l'avais vu pour la première fois. Enfin, je crois que c'est le seul truc qu'il a dû faire. Hein. C'était dans Gotham. Il faisait le rôle du Joker, entre guillemets, dans la série Gotham. Alors, c'est là qu'on va avoir peur. Ah, c'est bien, on est toujours à Datomir. Très bien. Souvenez-vous, hein, on était perdu en Khalid. Et il était dans Shameless aussi. Dans Shameless aussi. Shameless avec. Avec. Merde, comment. Ah! Cet acteur que j'adore là, comment il s'appelle? Ah oui, il fallait que j'aille à la corde là-bas. Putain, je m'en souviens! Voilà, dégage. On va se faire un petit rappel des. Bah. William Messi? Non, bon, je le retrouverai pas. Du coup, je t'ai nu de par où? Donc ça, c'est un accès bloqué, alors si j'en crois le... Michael Fassbender. Parce que moi, j'ai vu un film qui s'appelle Shameless, et c'est avec Michael Fassbender. Un mec nymphomane qui a du mal de gérer sa nymphomanie, son rapport à la nymphomanie, tout ça. C'est peut-être pas le même film. Cameron Monaghan, voilà, c'est ça. C'est vrai, il gueulait pour de vrai. Ah, je parlais de la série, d'accord. Ah, je connais pas. Alors, ça, c'est la force. Ça, c'est le sabre, la protection. Ah, oui, c'est parce qu'il faut grimper, c'est pour ça. Je peux pas grimper encore. Parce qu'il faut aller par là. Hop là. Ah, c'est un tel plaisir d'avoir le double saut, salto saut là. On ne sait pas ce qui va me jaillir dans la gueule. Seule la mort. J'allais dire, ah, oh, c'est en français. T'as, on est vraiment. Et donc je me disais bien, la sœur de la nuit, ça me fait penser à quelque chose. Ça me faisait penser à quelque chose. Et effectivement, il me semble qu'il y a ça aussi dans Rebels ou dans Clone Wars. Et le hibou, effectivement, c'est, enfin, la chouette, c'est effectivement, c'est la chouette de d'Ahsoka. Mais cette chouette, elle est liée, comme je le disais, à la force et à la fille. Dans Clone Wars, il me semble. Coucou Kimi! Comment vas-tu? C'était le Gamaru attardé dans Malcolm, apparemment. Ah, d'accord, je me souviens pas. Ça casse des gens, comme en 40. Comme en manif, tu veux dire? Ça, c'est quoi? Une attaque aérienne qui permet avec elle de repousser aussi les ennemis quand il atterrit. Ah! Atterrissage de super-héros, c'est ça? Ah! Oui, la traction, on avait dit, oulala, c'est dangereux. Attaque aérienne qui permet à elle de repousser. Hein? Ah, mais c'était ça plutôt que je regardais. Chargeant le ralentissement qu'elle peut. Ouais, bof. Et ça, c'est quoi? C'est le sabre. Ah, c'est vrai que j'ai la double lame. Ah, ça, c'est bien aussi. Ah, putain, j'hésite entre Super Hero Landing et. Ah, je n'utilise pas le double truc. Mais ce serait peut-être l'occasion de l'utiliser, justement. Voilà, je pense. On se repose. Comment on fait déjà pour la... Ça se passe pas trop mal, hein. J'ai oublié comment je mets je fais la deuxième lame. Salut, Benny.
Merde. C'est comment la deuxième lame déjà? Je sais plus, j'ai oublié. Ah chiotte. C'était pas... Ah voilà. C'est trop stylé ça, de pouvoir choisir entre simple lame et double lame. Je trouve ça méga stylé. Hop là! Un petit salto sur l'air. Oh là là, zone de combat, zone de combat. J'ai de la couture. D'accord. Attends, c'est peut-être dangereux. Attends, petit robot fifou. Tu es trop fifounet, petit robot. Ah, du coup, ça éclaire mieux, parce que si je suis comme ça... Attends. Non. Ah, merde. Ah, c'est comme ça. Là, ça éclaire pas beaucoup. Là, ça éclaire beaucoup. D'accord, on peut pas aller ailleurs. Putain, ça va être la grosse baston, là, je sens. Être une meuf, c'est génial, PTDR. Quoi, je sais pas si. Désolé, j'ai pas suivi. Il est pas mort. Ah merde! Main de batte. Ça va être compliqué. Oh. Ah, ça fait pas mal hein, en fait. Hein. Aïe! Oh là! Oh la vache! Peut-être que je veux. Ça va être compliqué de ouf ce combat, je... Ah merde! Oula. C'est quoi? Oh la vache. Un autre steam. T'en es vraiment dans Elden Ring là, enfin dans... Là c'est vrai que je vois la comparaison avec Dark Souls se tient. J'ai fait pas mal du tout quoi. Ah merde. Putain. Ah pute de tête. Ouf.
Bah, on commence fort encore, comme à chaque fois que je reprends ce jeu. J'ai médité. Merci Dieu, chère l'idée, chère Kimi. Du coup, j'ai l'impression que j'ai... Soit j'ai pas les pouvoirs qu'il faut, soit... Soit j'ai oublié des éléments de gameplay. Yeah! Et merde. Ça m'a tellement... Pour changer de cible, comment ça changer de cible? Que... Putain, ça m'a perturbé, voilà, super. Y'a pas de... J'ai l'impression qu'il a pas de points faibles, quoi, c'est chiant. Pourquoi ça... Ah! C'est chiant, je le touche pas! Ah merde! You. Il était bleu, non? Putain, la tête, ça fait mal. Mais il faut arriver à la toucher. Thank you.
Ok. Je fais le Elden Ring, moi, madame. Ne faites pas peur. Ah, merde. Il se barre. Je peux faire des moulinets. Je peux faire des moulinets quand je veux, dis donc, c'est la classe. Ouh. J'ai la gorge enrouillée. Ah mince, le truc marche pas. Merci Kimi. J'ai encore des problèmes de... Pourtant j'ai mis rafraîchissement. Mais bon, je suis désolé. Ça ne marche pas. Ouh, je suis Spider Jedi et... Oh, bonsoir Neil. Comment ça va? Depuis tout ce temps... J'espère que tu vas bien. C'était le repos aujourd'hui ou quoi? Ah, les endroits exigus, ça nous avait manqué. Putain, c'est long. Au moins, c'est un peu plus varié que dans Final Fantasy VII Remake. J'ai le mec qui rate pas une occasion de mettre une balle à FF7 Remake. Repos et sans les gosses, donc je peux être... Oh, bah non, double repos alors. Un rite de passage obligeait les frères de la nuit les plus forts à s'aventurer dans l'antre de cette créature. Heureusement que c'était pas dans son trou du cul. Alors on peut aller là, 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 d'accord, ok. C'est même par là qu'il faut aller. Ouh, et hop là. Comment tu trouves de Star Wars? J'aime beaucoup, j'aime bien. Mais des moments rageants. Mais globalement, c'est très très bon. J'aime beaucoup. Et comme je disais tout à l'heure, après celui-là, on fera Jedi Survivor qui vient de sortir. C'est par... Attends. Ah, on va ouvrir un raccourci peut-être. Ah non, il s'ouvre pas. En plus, il est pas très très compliqué, c'est juste des petits soucis au niveau des combats, mais on prend quand même, on arrive quand même à prendre du plaisir dedans, quoi. Baisse-toi, BD. Merde. Ah putain de sa mère. Ça va être compliqué un peu. Elle a repris de la vie. On va mourir. Merde. Oh putain, tu pues de la gueule. Ça fait du bien de jouer un vrai bon jeu Star Wars. Ah oui, bah moi c'est ce qui m'a... C'est moi qui joue là ou pas? Non.
C'est ce qui m'attirait, hein. J'avais pas joué à un jeu Star Wars depuis. Non, Lego Star Wars ça compte pas. Je dois aller où? Ah là-bas. Je comprends pas. Il y a des phases de jeu des fois comme ça, tu comprends pas. C'est un peu ce qui me dérange. C'est reparti. Allez, Shadow of Colossus. Mais ouais, j'avais pas joué à un vrai jeu Star, enfin un jeu Star Wars depuis Force Unleashed, enfin, le pouvoir de la Force sur PlayStation 2, donc effectivement. Puis les Battlefront, tout ça, ça m'intéressait pas des masses. J'avais vraiment en manque de jeux d'aventure Star Wars, quoi, vraiment. Ah putain, c'est chaud cette phase. Au secours. Ah. Putain, faut vraiment. Ouah. Difficile à gérer, la caméra est pas très bien placée, je trouve. Je peux taper ou pas? Tape-le! Bah, c'était peut-être pas une bonne idée en fait, mon gars. L'idée aurait plutôt été de. Je vais faire quoi? Je vais faire quoi? Je joue ou pas? Ah, on a vu. Pourquoi tu l'as lâché? Fallait rester avec? Oh putain. Ah non, j'étais sur l'aile là. L'aile ça compte pas. Est-ce qu'on va le diriger un moment pour faire une petite. Oula. Encore devoir se le tabasser là, parce qu'il lui reste de la vie, hein, j'ai vu. Est-ce que ça va? Ouais, je vais très bien. Mais cette créature n'a pas eu autant de chance. Est-ce qu'on va s'en plaindre? On peut pas la scanner? Bébé, tu scannes ou quoi? Non, tu scannes pas. D'accord, tant pis. Bah moi j'avais pas prévu de le faire, Jedi Survivor, puisque bon, bah pas les moyens non plus. Mais on me l'a offert ce matin. Alors go quoi. Ah non, d'accord, on est revenu là. Et du coup je vais aller là-haut. Ok, très bien. Oh, cet environnement, ils ont vraiment repris l'environnement sonore de Dagobah quoi. L'Eldorado. Tu as offert la chance. Eh oui, je suis d'accord. Ah oui, si on peut faire de la varap. Ah non, d'accord, il faut que je fasse. Tiens, j'ai oublié les mécaniques. Voilà. Attendez, on va les laisser un petit peu s'amuser. Vas-y.
suis là. Putain, il me voit pas. Ah, il est con. En fait, il est juste con. D'accord. Enfoiré. Dès que je le vois plus, il me tire dessus. Ok, y'a rien. C'est vrai qu'il y a rien dans les pots, y'a pas. Où ça? Il me tient où? Qui est là? Je me suis un peu. C'est comment le. Attendez. C'est où qu'on a accès au. À l'arbre des compétences. Comment je fais déjà Ah bah non, je l'ai pas pris. J'ai pris ça. C'est pour ça que j'y arrive pas. Attends. J'ai pris ça à la place. Je me demandais. Ouais mais... J'espère qu'il n'y a pas un truc qui doit se décrocher. Ah ouais. Non. C'est comme ça. Tu ne t'en sortiras pas. Ah merde. Il m'a fait peur en fait. Quand il m'a dit tu ne t'en sortiras pas, j'ai cru qu'il y avait ça quelqu'un. Ça se passe pas trop mal, hein. C'est beaucoup mieux, BD. Mais ouais, je trouve que c'était vraiment la bonne idée de ce gameplay avec du Tomb Raider, du beat'em up un petit peu vénère. C'est le pont qui mène au village. Je trouve que c'est la bonne pas qu'ils s'attendent à nous revoir. La bonne recette pour une aventure Star Wars. Plus discret. Genre là quoi. C'est le jeu que j'attendais cette année avec FF16 et Spider-Man. Ah oh, putain, FF16 c'est c'est PS5 only quoi. Spider-Man 2, pareil, ça va être une tuerie. Mais ouais, FF7, ça a l'air trop bien. Moi j'attends aussi le Zelda là qui sort. Je t'ai MP sur Instagram, Jeannot. Ah oui, j'ai vu le Mario, le remix Peaches Rick Roll. J'ai vu. Pour être franc, je ne savais pas que c'était là quand j'ai abaissé le pont. Je voulais seulement voir ce qui se passerait. Ce sera pas le générique de fin. Le générique de fin déjà sera moins dollar jaune friendly, on va dire. Enfin, sera plus dollar vert friendly. Parce que si je mets Never Gonna Give You Up Peaches, c'est bon, la vidéo elle est morte. Il y a vraiment un truc que j'apprécie dans les jeux modernes là, depuis ces 15 dernières années, c'est le principe de pouvoir marcher ou courir rien qu'avec la pression du stick. Ça franchement c'est un plaisir qu'on ne connaissait pas avant et c'est en ça que je trouve que c'est un des bons côtés des jeux modernes. Ah merde, c'est là. La double flèche c'était caca. Attends, de quoi tu parles?
grimpe ça? Ah oui. Ah oui, pour courir, tu veux dire, c'est ça? Oui, ou juste le principe de maintenir une gâchette. Ouais, ouais. Bah, surtout, c'est surtout dans les beat'em up où double flèche pour courir, c'était relou, ouais, c'est vrai. Mais sinon, il y a des jeux qui intégraient le principe avec la gâchette, avec L ou R enfoncée, ou... Mais ouais, c'est clair que... Le stick analogique, quel plaisir. Ah merde! Ils sont où? Ils m'ont vu du coup. Oh putain! Ah putain! Mais putain de... Ah Osborne, je suis là! Bonjour! Bon, je suis pas prêt, mais... Ce sera fini en un rien de temps. J'ai besoin d'un skim, BD. J'étais censé arriver par où, moi, du coup, parce que... Attendez qu'il retombe. Faites attention, mes frères. Prêt à mourir, Jedi. Putain, l'autre il est relou là-bas. J'ai galère de ouf. J'ai besoin d'un skim, BD. Frère, soutenez-moi. Avancez, mes frères. Prépare-toi à mourir, étranger. Il est où l'autre? Il y en a un autre, je le sais. Reste en mouvement. Ah merde, les gros, je peux passer. Merde, en fait, je les vois pas. Oh, yeah, yeah. Je viens de finir Hogwarts Legacy de mon côté. Pas du tout accroché Hogwarts. Je suis arrêté, j'ai eu du mal. Ouais, moi j'avoue, déjà je suis pas spécialement intéressé par l'univers Harry Potter, mais alors là, je... vraiment. Rien à foutre de Hogwarts Legacy. J'étais censé arriver par où du coup, moi? Parce que je me suis cassé la gueule d'une façon incroyable. Ah non, t'es arrivé par là. Enfin, je vais arriver par là, j'imagine. Putain, j'ai plus de vie, quoi. J'ai du mal de finir aussi. La seule raison qui me motivait, c'est que je voulais pas y jouer après la sortie de Zelda. Très grosse déception, c'est vraiment pas ouf. Moi, j'ai l'impression que c'est le sentiment général, non? Ils se sont pas fait chier, quoi. Ils ont pris... TPS standard, skin Harry Potter, voilà, point barre. Après ce que je voyais, c'est à ça que ça ressemblait, quoi. Il y a aucun endroit où aller, hein. Ah si, elle a. Mais j'ai vu un truc là, j'ai vu ça. Pourquoi il y a ça?
très certainement pour ça. Non? Ah non, putain. Ah. Ah merde. Ah, c'est pour prendre là, j'avais pas vu. J'avais pas vu les corniches de Lara Croft. Coucou, Ori Gamer. Oula putain! Merde. J'étais pas attentif. Wouhou, au couteau qu'on se retape. Ce coup-ci, je vais essayer de rester en haut là. Ça fait rien. Si ce n'est qu'on peut. Tu ne peux rien contre nous. Arriver par là et être protégé. Ou pas. Oh là 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 là. Quand même si. Merde putain. Merde, non, non, non. Bon tant pis. Ah. On va pouvoir la refaire, c'est bien. Ah. Raté, c'est pas grave, tant pis. Je ne te laisserai pas fuir. Allez-y, approchez. Fuis-le, mes frères. Mettons-nous à l'abri des lasers de vos camarades. C'est ouf. Espèce de lâche.
Ah, chiotte! Oui, mais c'est dommage. Y aller. Non, il... Des fois on a l'impression qu'il y a des trucs mais il y a rien. Bon, faut que je me concentre. Oh putain. Ah putain, une idée du jeu à boire, on va regarder le prochain film Saint Seiya qui doit bientôt sortir au ciné et on devra boire à chaque truc qui ne va pas dans le film. Ah, c'est un coup à finir Lost aussi. Ah, tu peux déjà faire rien qu'en regardant la bande-annonce, ça suffit je pense. Où ça? Qui? Qui me voit? Toi là. Toi là-haut. D'accord. Rien, y'a rien. Je suis en moins de m'écrire si t'es pas bourré, c'est clair. J'ai vu, y a des critiques des gens qui l'ont vu au Japon qui disent déjà que c'est la merde. Aucun étranger ne peut nous vaincre. C'est raciste. Mais moi déjà je paierai jamais une place de Cinoche pour aller voir ça. C'est clair et net. Pour moi ça, ce genre de truc, c'est téléchargement. Et si c'est bien, peut-être éventuellement ajouter à la liste des achats Blu-ray, mais encore. Ça fait des années que j'ai pas acheté de Blu-ray. Donc bon. Ma liste est excessivement longue. Cal, tu as trouvé le tombeau? Oui, presque, mais j'ai dû faire un petit détour. Grise a l'air bizarre. Il jure avoir aperçu quelqu'un près du Mantis. Datomir lui brouille l'esprit. Ah bon, il est pas toujours comme ça? Est-ce que ça va? Je n'ai pas de vision, donc... Oui. Je sors d'un village des frères de la nuit. J'espère être sur la bonne voie. J'ai l'impression que tu t'en sors bien. Ouais. Et puis, BD est là. Ah, tu vas pas payer pour le voir? D'accord, ok. Ouais, je comprends mieux.
Je suis sûr qu'il y a plus de trucs. Merde. C'est entendu. La vache. Il faut tuer le Jedi. Oh la vache. Une série limitée. Ouais, non, je disais, je suis sûr que la version cartoon américaine des années 80 est plus accurate que ce film. Oh non, je reprends de là. Wow. Unis pour les grèves de la caisse. Ok, donc on va se taper lui. Yeah. Voilà, déjà ça se vient. Ah, y a moyen de se les faire. Ah bah c'est mieux comme ça. Il y a moins de monde après. Fais les moulinets. Les moulinets. Putain, y a un bug ou quoi, personne ne me voit. Vas-y. La mort te tend les bras. La mort. Par décapitation. Oh, il esquive. Les Jedi sont-ils tous aussi faibles? Espèce de lâche. Ah, c'est pas moi qui m'en vais. Mes frères. Oh là 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 là. C'est pas beau. Avancez, mes frères. Plus rien contre mais... Ah oui. Du coup, c'est par où, c'est par là où? Je sais plus. Oh là, oh là, oh là, 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 là. Ah, mais qu'est-ce qu'il a fait, ce con? Ah, les genoux. Putain, c'est ouf. Il y a pas mal de moments du jeu comme ça qui sont mal gérés, quoi. Ça rame de ouf et tout. Moi j'avoue, je serais client s'il faisait dans ce style de jeu, s'il refaisait genre la trilogie originale, quoi. Genre juste adaptation du film avec des trucs en plus, quoi. Ça... On remarque qu'il n'y aura peut-être pas grand chose à faire en termes de jeu. Là.
C'est vrai que autant avoir une histoire originale. Mais putain! Putain, j'ai gâché un sim pour rien. T'es où? Aussi, problème de lock aussi, hein, c'est excessivement chiant. Reviens là. Au revoir. Oh, il y a une corde là. Ah d'accord, on peut aller méditer là. On va peut-être faire ça alors. Parce que du coup... Ouais, on va aller méditer là-bas. Rogue One. Non, moi j'ai envie de jouer un Jedi. Moi. Les Jedi, je peux plus les voir au cinéma ou en série, mais par contre, les jouer, c'est bien. Ah, il y a un truc là-haut. Oh, je t'ai vu. Qui c'est? Qui c'est qui? Ah, oui, c'est eux qui ont répop. J'arrête pas de me piquer. Attends. Arrête, intrus, c'est ridicule. La mort te tend les bras. En espagnol. Je dégaze comme jamais, putain. C'est ouf, hein. Qu'est-ce que je peux péter? Ah oui, d'accord, on revient. On est revenu. Putain, mais c'est quoi ces bestioles? Bordel de merde. Ah, j'ai oublié. Choses sur Datomir. Normal, c'est un monde mystérieux. C'est Cordova qui m'a appris ce que j'en sais. Il n'est pas venu ici sans raison. On dirait bien. C'est peut-être dangereux. Sois prudent, Cal. Ah, il fallait pas que je revienne là ? Oh merde ! Je croyais... D'accord, ok, alors non, pas du tout. Bah, j'ai... Ah merde. Ah non ! Ah si, c'est bon. Où aller maintenant? Ah d'accord. Impossible.
Ah merde. Ces bruits. Je suis pas sûr de... Oh d'accord, ça sert à rien. Putain de merde. Tu te fais pas mal. Enfin, si tu tombes, mais tu ne meurs pas. Mais il va où? Qu'est-ce qu'il y a comme étranger? Ah merde. Salut! Ah putain. Putain de merde! On peut pas aller plus vite à me balancer sa merde! Doucement. Ça aussi, c'est un des points négatifs du jeu. Le heal est lent de ouf. Merde, putain. Oula. Regardez là-bas. Non. Reviens là. Les frères, aidez-moi. Il tremble de peine. Ah mais c'est pas lui. Faut tout recommencer. Il faut que je retourne là? Ah non.
Ou que j'aille là, putain. Alors c'est bien de faire des cartes en 3D, mais si tu peux pas vraiment te bouger dedans, comme balance-le, putain, il veut. Pourquoi il ne balance pas? Oui, il faut remonter. Ils sont où? C'est qui? Et merde. Putain, le lock. Le lock est à chier. Parce que quand tu tues un ennemi que t'as locké, normalement dans les jeux où c'est bien, le lock il se repose sur l'ennemi. Enfin, il se déplace sur l'ennemi qui est le plus proche. Or dans ce putain de jeu, le lock il va se déplacer sur l'ennemi au loin. Ce qui est de la merde. Merde! Ah putain! Saloperie. Bon, peut-être pouvoir plutôt repasser par là, je pense. Peut-être de tout se retaper. Ouais. Ah mais même en fait par là, putain, en fait je me gourre complètement. Bonsoir Steam Plume. On va y aller, on va y arriver. Qui est là? Personne. Ah bah oui, je suis... D'accord. C'est parce que je fais de la merde depuis tout à l'heure. Bon, on va recommencer comme si c'était rien passé. J'ai pas du tout fait un petit tour pour rien. Moi je pensais que j'en ai fini avec la planète, mais non. La planète, c'est la planète qui n'en a pas fini avec moi. Visiblement. Tant pis, là aussi, bah. Ok. Mais c'était tout simplement tout droit depuis le début. Et moi. Je vois rien, putain! Putain!
sauter là des fois, non? Ah oui, c'est là où il y avait le monsieur bizarre. Il est plus là du coup. Aucune trace du vieil homme. Je me demande si les frères de la nuit l'ont eu. Je vois un intrus. J'ai entendu. Les frères, ça me suffit. Tourne-le. Je suis par terre. Yatomir réclame ton sang. Voilà. C'est sûrement le tombeau. Ce tombeau est sûrement un tombeau. Il y a des gros trucs de merde là qui vont pondre de la merde. Merde, la porte s'est fermée, putain, fait chier. Je suis sûr que tu veux aller là-dedans. Oh, t'as trouvé quelque chose. Les peintures pour le vaisseau maintenant, putain, mais ils ont autre chose que des trucs qui servent à rien. Ça, c'est aussi, ça, c'est un gros point noir aussi. Je suis très négatif, hein, je trouve. Mais. Que les collectibles, enfin que ce qu'on loot ne serve à rien. La quête de l'Astrium nous a mené au tombeau de Kuzek. Il manque juste du stuff qui augmente les caractéristiques, quoi, c'est tout. Ou qui propose des caractéristiques différentes. C'est vraiment. J'espère qu'il y a ça dans la suite, parce que c'est vraiment le truc qui manque. Hein. Le fait que les manches d'épée, les trucs, toute la partie customisation de sabre ne servent à rien. Même de personnages, quoi, il pourrait avoir des renforcements de défense, des trucs comme ça. Quoi que ça puisse être, c'est parti. Bah non, c'est toujours là. Ouais, c'est vrai, ça donne pas envie d'explorer. Alors que... Mais pour le fun, quand même... T'as donc quand même... Enfin, t'as quand même envie d'explorer, mais c'est vrai que ça... Ah, oula. La Padawan vie. Quand je serai grand, je serai YouTuber. Oh, il a un cube... il a un Rubik's Cube... galactique. Il y a des boules de geisha galactiques. Elles sont un peu grosses pour toi, gamin. Comment ça? Salut Cal. Ah, c'était quand les clones étaient gentils. On fait la revanche plus tard? Ouais, avec plaisir. Parfait. Tu pars t'entraîner? Comme toujours. Ça marche. Alors à plus tard. Salut. Vas-y, la dégaine de bad boy qui a rien. Wesh. J'ai 10 ans. Il paraît qu'on va avoir de nouveaux ordres. Pas trop tôt. J'ai hâte de quitter ces potoirs. Est-ce qu'on quitte Braca? Possible. Lui fais pas de fausse joie. C'est rien que des rumeurs. T'en fais pas. J'y croirai quand Maître Tapal le dira. En parlant de ton maître. Ouais, il faut que je file. T'as l'air bien pressé. Maître Tapal m'a appelé pour m'entraîner. Vas-y, assure. Attends, t'as dit quoi, coach? Le sachiez-vous? Si c'est ton numéro de la lettre F, il est estimé que l'ordre 66, car FF pour Friendly Fire. Ah. Maître Tapal? Padawan, il est l'heure de ta leçon. Oui, maître. Viens nous rejoindre. Et ne traîne pas. Ça sent la fin. Hein.
Ça sent la fin pour Maître Tapal. C'est-à-dire ? Pourquoi il y a des trucs qui sont ouverts là ? Je l'ai où ? Des fois je comprends pas où il faut que j'aille, mais bon, c'est pas grave. Mais... Il y a des trucs qui s'ouvrent, mais c'est pas là où il faut aller. Il y a des petits problèmes de game design, on va pas se le cacher quand même. Hein. Ah non, c'est trop... Faut aller là, non, du coup. Ça me paraît trop loin. Je l'embime pas, Maître Tapal, mais... c'est un peu de la merde, votre entraînement. Pas le niveau. Ou alors il faut que je... Ah d'accord, attends. Ah, oh putain, d'accord. Tout simplement. Tu y es presque. Ah. J'ai cru que c'était Lord 66 qui était déclenché, tu sais, alors que tu crois que c'est encore l'entraînement. En mode lol, assez drôle, mais en fait il me tire vraiment dessus. Nous allons commencer par ta préparation physique. Mais d'abord. Mets-toi tout nu. Nous avons des ordres. Braca est sûr. Nous sommes prêts à partir pour Magito. Génial! Il faut. Est-ce que ça va? Quelque chose ne va pas. Non, sacré réflexe, Maître Brat. Padawan, il se passe quelque chose de grave. Les clones nous ont trahis. Pour le moment, je n'ai aucune réponse à tes questions. Nous devons quitter ce vaisseau. Et vite. Va au module de sauvetage, par les couloirs de maintenance. On s'est entraîné. Tu t'en souviens? Oui, maître. Et vous, qu'allez-vous faire? Je vais créer une diversion et je te rejoindrai. Si je ne suis pas là quand tu arrives, alors pars sans moi. Je te retrouverai sur Braca. Est-ce que tu as compris? Oui, maître. Ils arrivent. Je vais sceller le sas, mais si jamais un clone croise ta route, tu ne devras pas hésiter. Va. Et que la force soit avec toi. Et avec votre esprit. Allez. Va-t'en. Oh putain. Je dois tirer ça pour passer. Ah non, tirer, pardon. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? On a le Jedi en visuel. Aucune trace du plus jeune. Fouillez partout. Il doit pas être bien loin. Non, c'est ça. C'est quoi ce bruit? Monte la garde. Je vais fouiller la zone. On essuie des pertes. Tapal a éliminé plusieurs escouades. Tirez à vue. Bien sûr. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui a changé? Le jour aurait dû commencer comme ça, en fait. Merde.
J'en fais la même. Ah. Je crois que j'approche du turbolift. Il est pas très loin après ça. Je t'appelle. Miou! Miou! Enclencher l'alerte. L'alerte chat. C'est la chalerte. Ah, comment il a fait pour le... Padawan, ton sabre laser. Je suis désolé, maître. Continue à grimper. Je te retrouve en haut. Mais récupère-le. Non, on va voir la mordre. C'est quoi ça? Attention! Ouah, il flex et tout. Nous devons partir. Shut the ball. Ah, c'est son sabre qu'on a. Cal, Cal. Là, t'as bien oublié. J'ai rechargé les réacteurs du vaisseau. L'explosion couvrira notre fuite. Cette guerre n'est pas finie, mon Padawan. Reste à l'écoute. Attends le signal du Conseil Jedi. Qui n'arrivera jamais. N'oublie pas. N'accorde ta confiance qu'à la Force. Oui, maître. Ah, pourquoi c'était pas l'intro du jeu? Pourquoi ils ont pas fait ça en intro? Pour te préparer aux mécaniques du jeu, quoi. Étrange. Très étrange ce choix. Commencez la leçon. Ta peur m'a coûté la vie.
Et si j'attaque pas? Il m'attaque pas si j'attaque pas. Tu m'as laissé mourir, Padawan. Bah non. Putain, je t'attaque par derrière. Dieu maître Tirpal. Plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Et du coup j'ai gagné des points de compétences, non? Bonsoir Henrius. Non, toujours rien, bah alors ça servait à quoi? Bon bah allons-y. Merci. Allons. Allons-nous-en d'ici. Je ne sais pas, BD. Je ne me l'explique pas moi-même. C'est pas passé comme prévu. Je t'avais pourtant prévenu. Laissez-moi tranquille. C'est Jésus, crie. Tout seul, égaré et sans défense sur cette dangereuse planète. Jamais. Ok, j'en ai assez. Dites-moi qui vous êtes. C'est Luke Skywalker. Non. Je suis ton père. Aaron Malikos. Je fus un Jedi. Ah. Comme toi. Merde. Nous avons tant en commun. Ça m'étonnerait. Oh. Nous avons survécu à la purge. Mes hommes m'ont lâchement trahi. Je me devais de les supprimer tous. Et je suis allé me cacher dans cet endroit maudit. Les ténèbres ici. Deception Face. M'ont presque emporté. J'avoue. Charisme n'est plus là. Mais j'ai triomphé. Vous êtes le chef des frères de la nuit. Oui. Mais ces sauvages ne respectent que la puissance. Et comme nous le savons, la force est la plus puissante des alliés. Vous vous servez de la force afin d'obtenir le pouvoir, c'est... C'est contraire à l'enseignement des Jedi. Nous vivons des temps obscurs. Nous sommes donc voués à disparaître si nous n'agissons pas, toi et moi. Je n'ai pas besoin que vous m'aidiez. Ce sabre laser qui est brisé indique le contraire. Tu as vu quelque chose là-bas, pas vrai? Quelque chose d'horrible. Il y a des problèmes de foisonnement d'endroits comme celui-ci. D'éclairage. Rejoins ma famille. Et je pourrai t'apprendre à contrôler son pouvoir. On dirait Cal plus vieux. Rejoins ma famille. Et je pourrai t'apprendre à contrôler son pouvoir. Vous vous répétez, Malikos. Sœur Meryn, tu ferais mieux de ne pas te mêler de tout ça. Pendant des années. Vous disiez que les Jedi avaient orchestré le massacre de toutes mes sœurs. Et lorsque l'un d'eux se présente, vous cherchez à le faire entrer dans votre famille. Tu aurais dû t'en occuper. Mais tu n'en as pas le pouvoir, sorcière. Le pouvoir. Vous êtes fou, Malikos. Datomir a engendré votre chute.
Et ma naïveté bien trop grande vous a permis de conduire à leur perte les frères de la nuit. Contrairement aux Jedi, les sœurs de la nuit de Dathomir ne se trahissent jamais entre elles. Le sabre de ton maître. Je l'ai vu. Maître Tapal, j'ai vu ce que j'ai fait. Je l'ai vu mourir. Cal. Il est détruit. Il n'y avait rien que je puisse faire. Cal, tu n'étais qu'un enfant. Non. Non, je sais que j'aurais pu le sauver si j'avais été meilleur et plus courageux et si je l'avais écouté. J'aurais pu le sauver. Je le sais. Il est temps maintenant que je te raconte ce qui s'est passé quand j'ai échappé à l'Empire. Ah oui, quand même. On veut savoir. Non mais tu m'écoutes pas, c'est moi qui souffre là. Trilla est entrée dans la pièce. Et quand j'ai vu ses yeux, j'ai compris ce que j'avais fait. C'était une inquisitrice. Quelque chose en moi a cédé. Et j'ai perdu le contrôle. J'ai puisé dans le côté obscur. Je les ai tous tués. Tous, jusqu'au dernier. Excepté elle. Pendant longtemps, je n'ai pas pu me pardonner. J'étais perdue. Parce que j'avais toute cette rage. J'essayais de la refouler, mais je ne pouvais pas lutter contre sa présence. Je n'avais qu'une envie, c'était mourir. Et puis j'ai appris l'existence de l'Holocron. Une lueur d'espoir pour construire un avenir meilleur. Et enfin, une chance d'avancer. Lève-toi.
pas changer ce que j'ai fait et tu ne pourras pas non plus sauver ton maître. C'est du passé. Mais Cal, tu dois te décider à aller de l'avant. Comment ? Tu vas commencer par ça. Et tu vas t'en fabriquer un nouveau. Ah bah oui ! Allons chercher des cristaux Kyber.